souhaite la bienvenue sur ce premier épisode de moitié Flosstube, moitié couture à la main avec tout ce qui est EPP, quilt, patchwork, ce genre de choses. J'ai décidé, je vous en avais parlé, alors je me présente déjà. Je m'appelle Léa dans la vraie vie. Sur tous les réseaux sociaux, je suis la fille au renard. Je filme au quotidien un vlog qui sort à peu près toutes les deux semaines sur le quotidien de l'atelier en fait. En parallèle, je fais des podcasts qui ont été peu récurrents ces derniers temps, dirons-nous. Et je m'en excuse, mais j'ai moins le temps de faire des podcasts assis en fait. Enfin, j'avais moins le temps. Voilà. Sur Instagram, j'ai deux comptes. J'ai La Fille au Renard Shop pour tout ce qui est boutique et La Fille au Renard 63 pour tout ce qui est perso. J'ai sectorisé les deux. Je suis quasiment sûre qu'il va y avoir un reflet dans les lunettes. Je suis désolée d'avance, je ne peux pas faire autrement. J'ai fait plusieurs tests. Il fait un temps à peu près exécrable dehors. La luminosité est absente. Donc j'ai dû mettre une des lampes de mon studio photo. Voilà. Donc je suis désolée si vous voyez un reflet dans mes lunettes, mais malheureusement je n'ai pas le choix, c'est ça où on ne voit rien. Écoutez, déjà merci d'être là, bienvenue, j'espère que ça va vous plaire. On va parler principalement dans cette partie-là, tout ce qui est broderie point de croix, broderie traditionnelle, comme je vous ai dit, un peu EPP, patchwork. Et je vais donc diviser en deux épisodes bien distincts. Il y aura le podcast qui, lui, sera dédié au tricot et à la couture machine. Voilà. J'ai souhaité sectoriser de cette manière-là. J'espère que ça vous conviendra. J'ai tout noté. Je consigne tout maintenant dans des carnets. Alors, tout. Je suis un petit peu moins assidue ces derniers temps, n'est-ce pas? Je consigne tout dans des carnets. Carnets basiques, aucune communication commerciale. Hein. Je les achète à Action parce que j'ai testé une fois, je trouve le papier très bien, j'aime beaucoup, l'encre passe pas à travers. Et donc j'ai sectorisé de la même manière, donc j'ai un carnet avec les points de croix d'un côté et la couture à la main de l'autre, et j'ai un autre carnet qui est à la maison où je mets tout ce qui est projet tricot et couture machine. Donc je vais essayer de faire à peu près dans l'ordre. Aujourd'hui, on va parler de mes encours, des patrons que j'ai à l'heure actuelle, donc les derniers achats et les derniers offerts, et l'acquisition de livres que j'ai fait, puisque si vous ne regardez pas le vlog, ça vous fera découvrir, ils sont en bas, donc je regarde pas, ça vous fera découvrir peut-être des livres de broderie, et après, il y aura donc la partie... petite peluche qui vole. Il y aura donc la partie couture à la main. Donc on va commencer par mes encours au point de croix. Alors, j'ai pas mal d'encours, ne nous mentons pas, c'est pas bien du tout, mais en fait j'ai ça. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas de problème à être multi en cours en broderie, chose que je n'arrive pas à faire en tricot, parce qu'en fait j'aime bien broder au fil des saisons, au fil des envies. D'ailleurs, le premier que je vais vous montrer, c'est, alors je prends mes notes en même temps pour ne rien oublier, c'est le calendrier de l'Avent 2020 de Crocheté à Gogo. J'avais dû l'acheter, enfin c'est pas j'avais dû, c'est sûr, je l'avais acheté pendant des soldes. Et je me demande si c'était pas chez Casa Cimina. Donc là, celui-là, il est gros, je le range dans une pochette que je me suis faite. J'en ai fait une pour mon mari parce qu'il brode aussi. Et lui, il brode des toiles pré-imprimées parce qu'il est trop fatigué le soir pour compter les points. Donc voilà. Il s'agit. Alors, ça va être de mauvaise qualité, je suis désolée puisque je l'ai réimprimé, enfin, je l'ai photocopié. Parce que je n'emmène jamais avec moi les originaux, de peur de renverser du café dessus ou autre. Chose qui arrive assez régulièrement, n'est-ce pas? Je la brode sur une étamine qu'on m'a offerte il y a plusieurs années maintenant.
Donc j'espère vraiment que ça va bien rendre, que vous allez bien voir. Peut-être que je devrais mettre quelque chose derrière. Ça, il faudra que je me fasse une planche pour mettre derrière, pour pouvoir vous montrer les choses. Hop, je vais vous mettre ça. Donc là, moi j'ai décidé de le broder de manière verticale. Donc la case 1 que j'ai faite en 2021, je crois, il me semble, ou 2022, je ne sais plus. Et cette année, j'ai donc fait le petit chat sur son traîneau. Et en dessous, c'est une chaussette de Noël. Donc c'est une étamine à pois, je ne pourrais pas vous donner plus d'informations que ça dessus puisque je n'en ai pas, étant donné qu'on me l'a offerte. Il faudrait que je compte, mais je pense que c'est une 12 fils, 12 points 6 fils. J'aime beaucoup avec les pois, je trouve le rendu vraiment charmant. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai plus d'aimant à aiguille sur cet ouvrage, c'est pas bien. Eh ben non. J'avais dû le prendre pour autre chose. Bon, je brode avec les fils DMC qui sont préconisés dans le patron. Aucune difficulté, mis à part que j'ai un décalage sur cette partie-là. J'ai beau avoir tout recompté de long en large en repartant de la première case. Je ne comprends pas, je suis décalée. Donc je la brode sur deux fils. Alors j'abrode donc sur deux fils de toile en deux fils de DMC et je suis décalée d'un fil. Et j'ai beau chercher, je ne trouve absolument pas où est l'erreur. Donc ce que je voulais faire pour la suite, c'est que je vais d'abord faire le quadrillage. Pas complet parce que sinon je vais m'enlacer. Mais je vais essayer de rattraper sur plusieurs... plusieurs carreaux autour pour voir où est l'erreur, si je peux la retrouver comme ça peut-être, je ne sais pas. J'aimerais. Sinon, bah, pour un point, je me dis que ça ne se verra pas. Mais il faut quand même que je redémarre correctement. Voilà. Donc voilà, pour cette grille-là, je souhaite faire deux cases par an. Alors, on verra si je m'y tiens. Sachant que je ne la brode, je la reprends à peu près en novembre et je l'arrête en janvier. Voilà. Et que c'est pas mon seul en cours. Mais j'aime beaucoup, elle est très simple à faire et j'aime bien. Ah oui, j'aime beaucoup quand les broderies sont terminées avec des petits points lancés comme ça, quand on tire des fils. Je trouve que ça finit vraiment bien. Genre les petites moustaches de la souris, c'est juste beaucoup trop mignon. Voilà. Donc c'est une broderie au long cours, hein. J'ai pas du tout de problème avec ça. Elle sera terminée quand elle sera terminée. J'avais fait un calcul, je ne sais plus, mais je pense qu'il faut. Enfin, voilà. À la base j'étais partie pour faire une case par an. Je me suis dit, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'années à faire la même grille. Donc on verra, peut-être que cette année j'en ferai 3. En fait, mon objectif c'est d'en faire au moins 2 par an, sachant que si j'ai le temps d'en faire plus, j'en ferai plus, c'est bien. Voilà. Ensuite, pour la prochaine, il s'agit d'une grille que je réalise pour ma fille, pour ma mini. Oui, je ne vous ai pas dit, j'ai 2 enfants. De 14 et 11 ans. Donc là c'est pour ma mini de 11 ans, je lui fais... Alors attendez, parce que du coup j'ai pas sorti la grille complète, j'ai sorti que celle qui est photocopiée, ce qui ne va pas. Hop, hein. J'espère que vous n'aurez pas de reflet, je vais me mettre comme ça. Il s'agit de la grille char, la PGS 14 de Marjorie Massé, qui est donc une grille, rectangulaire avec un genre de point de feston qui encadre des petites lapines que je trouve très très jolies. Alors je la réalise avec les fils de la boutique qui sont, si vous ne me suivez pas depuis longtemps, je suis teinturière indépendante et je teins de la laine à broder qui originairement est la laine qui sert à faire les tapisseries à Aubusson.
Voilà, donc je les réalise avec les fils de la boutique. J'aurais peut-être pu enlever ça. Je suis novice hein, dans le flow studio, vous m'excuserez. Je n'ai pas encore l'habitude de me dire qu'il faut que j'enlève les tambours et tout. J'aurais même pu peut-être passer un petit coup de repassage avant, ça n'aurait pas été du luxe. Donc, normalement, vous l'avez vu, les couleurs d'origine sont bleues. Moi, ma fille voulait en rose puisqu'elle a flashé sur cette étamine que j'ai teint pour faire des tests. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux faire mes lapins dessus? Alors j'ai regardé, j'avais ce qu'il fallait pour. Donc j'ai commencé son petit lapin dessus. J'utilise donc pour le rose foncé un fil qui est dégradé, qui donne ça. Peut-être que je peux vous le montrer pour vous donner une idée. C'est un fil qui donne ça et qui donc va se dégrader dans un. Donc il y a du violet, il y a du fuchsia, il y a du parme. Et je vous les montre en échevette, pardon, parce que je trouve ça peut-être un petit peu plus parlant, surtout pour les coloris comme ça qui sont très chamarrés. Et donc pour le plus clair, elle a choisi celui-ci qu'on retrouve en fait dedans, mais qui lui est uni, quasiment uni. Hop. Je vais mettre ça là. J'essaierai de faire sur. Donc j'ai un site internet. J'essaierai de faire sur le blog des petits posts par ouvrage pour vous y donner les couleurs que j'utilise, si j'ai fait des changements, les toiles que j'ai utilisées. Voilà. Et donc pour la partie principale, j'utilise le noir, qui n'est pas vraiment noir, hein, qui tire sur le violine en fait, mais très foncé. Hop. Là, je pense que si je vous le montre comme ça, vous allez le voir noir. Voilà. Hop. Pour information, j'utilise des pigments Greener Shade éco-certifiés. Et pour la lapine, j'ai pris un coloris un peu beige. Non, c'est pas celui-là. Je vous montre celui-là, mais c'est pas celui-là. Là, bravo. Mais il faut que je me les note parce que je crois que je n'ai pas noté les coloris que j'avais utilisés dans mon carnet. Voilà, j'utilise ce beige paille. Au début, elle voulait que. Elle m'avait dit, ah, mais t'embête pas, sinon tu l'as fait d'une autre couleur. Et puis j'avais oublié en fait que j'avais ce coloris-là qui va très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette grille? Elle va très très bien à broder. Elle va très vite à broder. Je la trouve très agréable. Je la brode en un seul fil, en un seul brin. Pareil, c'est une étamine qu'on m'a donnée bah, en même temps que l'autre. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être une 12 fils elle aussi. Oui, alors là-bas, j'avais commencé la grille par le bas. En me disant, je vais faire d'abord toute cette partie-là. Et en fait, ça faisait un gros bloc d'un coup à faire et j'avais envie de changer de couleur que d'être tout le temps dans le noir. Donc j'ai juste inversé puisqu'en fait la grille est complètement symétrique. Tout le tour est symétrique. Donc je l'ai inversé pour commencer depuis le haut, tout simplement. Voilà. C'est comme quoi des fois, il ne faut pas se prendre la tête, hein. Il faut faire les choses de manière simple. Elle avance doucement. C'est pas mon encours principal actuellement, ça l'a été. Excusez-moi, mais il y en a une autre qui est venue se greffer qui n'était absolument pas prévue. Là, j'utilise des tambours à broder de la marque Epsi. Moi, c'est ceux que j'ai par mon grossiste, je les trouve très très bien. Si je ne dis pas de bêtises, c'est du bois de hêtre. Je ne brode pas toujours avec un tambour, mais le linge, je le brode avec un tambour. Voilà, donc je la reprendrai quand j'aurai fini celle qui m'accapare actuellement. Je m'étais faite des pochettes. Dites-moi si vous intéresse, si ça vous intéresse que je vous envoie. Ou limite, si je vous en parlerai peut-être après, dans la partie couture à la main, à la limite. On va faire ça. Voilà pour celle-là. Où est-ce que j'ai mis? Hop. On va essayer de tout mettre au même endroit. Pour la suivante, il s'agit d'une grille que l'on m'a offerte. Offerte et qui est donc, je ne l'ai pas recensée dessus, c'est pas
pas bien du tout. Donc ça, il va falloir que je la mette dans mon carnet. Il s'agit donc de la potion magique par Madame la Fée. Je me permets de vous montrer ça, puisque là, il n'y a rien, à part les couleurs de fil. Qui est une grille qui me faisait de l'œil depuis des années, des années, des années. Et qu'une abonnée a eu l'extrême gentillesse et bienveillance de m'offrir. J'étais absolument ravie. Vous pouvez vous l'imaginer. Donc je la brode sur une toile Aïda. 7 points, je crois que c'est le coloris chocolat qu'ils appellent ça, mais c'est un coloris qui est quand même relativement clair. Hop. Et j'adore la broder. Il faut que je la reprenne là. En fait, avant j'avais une boutique physique à Issoire, je la brodais sur ma pause midi à Issoire. Donc là maintenant, je l'ai juste remontée à la maison. Mais Halloween va bientôt arriver. Chez moi, Halloween arrive toujours très en avance puisque c'est une fête que j'adore. Donc je pense que je vais le reprendre assez rapidement aussi. Sachant que c'est plus confortable pour les yeux, je trouve, à broder par exemple le soir. La toile Aïda que la toile de lin. Et la toile Aïda, je la brode sans tambour. Voilà. Donc là, je suis actuellement en train de faire le petit fantôme qui est ici. Je la brode en deux fils, voilà, sur une seule croix de toile Aïda. J'utilise les fils DMC qui sont préconisés. Donc j'utilise tout ça. Et il m'en manque un d'ailleurs. J'ai un des verres qui est absent, qu'il faut que je remette dedans puisque j'en ai besoin pour finir les feuilles. Et j'ai un aimant à aiguille assorti. Je vous mettrai dans la description YouTube, je vous mettrai les boutiques où j'ai acheté les choses. Par exemple, je ne vous ai pas dit, mais pour la grille d'avant, c'était chez Deux Mères en Fille, au solde de cette année. Donc là, la grille, on me l'a offerte, mais j'ai acheté le... Alors, si je ne dis pas de bêtises, celui-ci, cet aimant-là, c'est sur le groupe aimant de fées, aimant d'aiguilles et de fées. Je vous le remettrai dans la description. Voilà. Hop, et donc je mets des petits... On m'a offert des petits renards. Je les mets pour fermer mes petits curseurs de mes zips. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette grille, à part que... Il n'y a pas vraiment de... Ben non, je ne peux pas prendre mes notes, je n'en ai pas. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Elle demande juste quand même d'avoir pas mal de références. Hein. Il y a quand même pas mal de fils. En tout, on utilise... Il y a 25... comment dire, 25 références DMC. Alors moi, c'est pas un problème dans le sens où, comme on est deux à broder à la maison, je pense que on doit avoir peut-être les deux tiers du catalogue DMC en termes de références. Alors, on les a pas tous parce qu'en fait... J'ai remarqué que c'est souvent les mêmes qu'on utilise quand même. et s'il y en a que je n'ai pas et que je sais que je n'utilise que très rarement, je vais changer la référence avec une référence que j'ai et qui s'en approche. Si j'ai quelque chose qui s'en approche, sinon je les commande et puis c'est tout. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette grille pour le moment. Voilà, elle avance tranquillement. Et j'aimerais la mettre plus tard dans ma cuisine. Je ne vous ai pas dit pour les autres, si le lapin c'est pour ma fille. Et celui de Noël, bah, ça sera pour la déco de Noël, n'est-ce pas? Alors, ensuite, dans cette pochette, c'est pas moi qui l'ai brodée, c'est ma meilleure amie qui m'avait fait cette broderie il y a peut-être... Non, je ne vais pas dire. Il y a un certain temps. Je ne vais pas vous dire il y a combien de temps. Et d'ailleurs, c'est elle aussi qui m'a offert cet aimant à aiguille, pardon, là. Et donc, dans cette pochette-là, j'ai une grille gratuite qui s'appelle Pumpkin Season de Mama Witch Cross Stitch. Est-ce que... Voilà. Hop. Si vous appartenez à son groupe Facebook, vous avez peut-être deux fois par an des grilles gratuites et qui restent accessibles tout le reste de l'année. Donc ça, c'était une grille qui était accessible il y a quand même plusieurs années. Et j'en avais une autre que j'étais partie pour faire. Si vous connaissez, j'étais partie pour faire les opossums à la base.
Et quand je suis allée farfouiller sur le groupe Facebook, je suis tombée sur cette grille-là. Donc j'étais obligée de la faire, puisque je vous ai dit, je suis une grande adepte de la fête d'Halloween, n'est-ce pas? Je la brode sur une toile douce fil que j'ai en boutique. Donc c'est du lin des petits points parisiens. Et là, j'ai pris le coloris flanelle. Et alors, autant vous dire que je ne la brode que quand il fait très beau. Voilà ce que ça donne. Je fais toutes les petites citrouilles d'abord autour, ça c'est mon objectif. Et je ferai le remplissage en dernier. Alors, c'est très rigolo parce que toutes ces petites citrouilles sont différentes. On en a, donc ça fait, vous l'avez vu, hein, ça fait un cercle. Et si je ne dis pas de bêtises, il n'y en a pas une seule pareille. C'est très très rigolo. Je brode sur deux fils de toile avec un brin pareil de la laine à broder de la boutique. Et j'utilise donc un marron dégradé avec du orange dedans qui s'appelle Ewok. Ah, il ne veut pas venir. J'utilise celui-ci avec là, un orange pareil dégradé. Je vais pas y arriver. Et du noir. Et puis bah, après, pour les autres, je vous montrerai les autres couleurs quand j'avancerai. Je vais avoir tout ça arrangé après. C'est formidable. Voilà. Donc j'utilise un brin, comme je vous l'ai dit, de la laine à broder. Et l'aimant que j'ai ici, c'est un aimant de chez Poussière d'Étoile. Donc à part le coloris de la toile, il n'y a absolument aucune difficulté. Les petites citrouilles vont très très vite à réaliser. Donc pendant un temps, j'en faisais une tous les matins. Et puis après, il a fait beaucoup trop sombre. Donc je brode quand il fait beau dehors sur ma terrasse, ce qui n'est actuellement pas du tout le cas. Enfin, je dis ça, mais là, il y a le soleil qui est en train de sortir. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Mais voilà, je pense que je la broderai un petit peu plus cet été parce que vraiment broder sur du noir. Alors j'ai essayé de mettre quelque chose de clair en dessous, pour moi c'est encore pire puisque j'ai un problème avec les. Comment dire? Avec les profondeurs. Par exemple, des petits carreaux, je peux très difficilement écrire sur des petits carreaux. Donc j'ai essayé plusieurs techniques au final. Je n'en ai trouvé aucune de probante. Il faut que je mette du foncé en dessous, tout simplement. Et une lumière directe, comme le soleil ou une lumière blanche. J'ai une petite lampe, comment dire, lumière blanche pour broder. Sauf que c'est une lampe à poser sur une table. Et c'est pas par rapport à la configuration de ma maison. Je ne peux pas l'utiliser pour broder, ce qui est paradoxalement voilà, pas très pratique. Celle-ci, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire encore, mais peut-être que je ferai une housse de coussin pour la décoration de l'automne à la maison. Nous verrons. Ensuite, il s'agit d'une broderie que je n'ai pas faite, mais que je dois terminer. Donc je vous la montre parce qu'elle est absolument magnifique. Donc j'ai une amie qui m'a proposé de broder un sampler, pardon, pour exposer lors des salons, pour montrer aux gens ce que donne la laine à broder. Et donc elle m'a donné plusieurs. Alors j'essaye de trouver en même temps que je vous parle quelque chose d'assez grand pour vous montrer, un support assez grand pour vous la montrer, mais ça va être compliqué. Nous sommes allés voir dans la boutique de Stitch Art sur Etsy, que je vous invite à aller voir, puisque ce qu'elle fait, c'est vraiment très très beau. Ces grilles n'ont pas de nom particulier, donc je vous laisserai aller, parce que moi, quand j'ai regardé ce matin pour revérifier, c'était un truc du genre collectionneur de fils, enfin, un nom à rallonge qui ne vous donnera absolument aucune indication sur comment retrouver la grille. Donc allez farfouiller dans sa boutique, elle en a plein. Donc on a arrêté notre choix sur celle-ci. Et donc elle a réalisé, c'est ça, je voulais regarder puisque je n'ai plus le nom de la toile. C'est celle-ci, c'est le coloris taupe de pareil que j'ai en boutique.
Et donc ça, c'est, ce sont des coupons de 50 par 70, c'est ça. Et donc voilà, ça prend tout ça. Il fait 40 sur 40 une fois terminé. Donc je vais essayer de vous montrer. J'ai malheureusement pas de support assez grand pour vous la montrer. Ah si! C'est un support blanc, donc j'espère. Non, tu sais, mais non, c'est pas assez grand. Bon, écoutez, je vous le montre comme ça. Si je vois que c'est catastrophique, je prendrai une photo à plat que je vous insérerai après. Voilà, donc il est très très grand. Il est très très beau. Il a fait fureur à Malakoff, ce point de croix. Vous l'avez énormément aimé. Et donc il me reste à terminer ici et quelques points à l'intérieur de ce motif avec, on dirait un peu un imprimé cachemire. Voilà, donc elle a fait tout le reste. Un immense merci parce qu'il y a vraiment un boulot. Alors, il paraît impressionnant. En termes de nombre de croix, elle en a fait avec énormément plus de croix que ça. Donc, proportionnellement, moi, je trouve qu'elle est allée très vite à le faire. Mais ça reste quand même un projet qui est un peu conséquent, quoi. Pour le moment, je peux trop rien vous en dire puisque c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, pour le moment, je n'ai fait qu'une vingtaine de croix dessus. Donc, c'est relativement insignifiant par rapport au travail réalisé à l'heure actuelle. Mais pour le peu que j'ai brodé, j'ai trouvé ça, comme ce sont des petites pièces, au final, j'ai trouvé ça très rapide, proportionnellement au rendu final. C'est très entraînant en fait, c'est très rythmé, du coup on a envie d'avancer, on a envie de faire le motif d'après, et voilà. Donc je vous recommande ce type d'ouvrage si vous aimez, parce que le rendu est juste waouh. Et finalement, même si ça prend du temps, le fait que ce soit très rythmé comme ça, je pense que c'est quelque chose qui peut aller quand même assez vite. Voilà. Ah si, c'est le sampler numéro 235. J'ai pas trouvé cette information sur Etsy, mais j'ai peut-être pas bien cherché non plus. Donc, je vous mettrai tout ça pareil. Je vais essayer de mettre à jour le blog et de mettre des photos, de mettre un petit peu tout ça un peu plus en lumière pour vous donner les références et les liens. Le dernier, il s'agit, l'avant-dernier, pardon, il s'agit de mon encours principal à l'heure actuelle. Il s'agit de la grille Jardin Bio de Rouge Antique. Qu'elle m'a offert il y a peut-être 2 ans et que comment dire, je ronge mon frein à la démarrer depuis. Mais jusque-là, j'avais pas vraiment le temps et on était rentré en hiver. Donc non, c'est l'année dernière. Ça doit être au printemps dernier. Et voilà, du coup, l'été, j'ai pas eu du tout le temps de broder. Après, on est rentré dans l'hiver, donc j'ai pris mes ouvrages d'hiver. Et là, pour mon anniversaire, mon mari m'a offert une serre. Et là, je me suis dit, mais en fait, il faut que je la fasse pour décorer ma serre. C'est obligé. Pas le choix. Donc je la brode avec des fils DMC. Ça c'est pareil, c'est une petite breloque qu'on m'a offert que j'adore. Il faut que je lui mette d'autres petits trucs avec, mais voilà, pour le moment il accompagne parce que je trouve que ça va parfaitement, n'est-ce pas, avec la grille. Alors par contre j'ai mis un néon aiguille qui n'a absolument rien à voir, mais c'est pas grave. Ouh, j'ai le nez qui gratte, excusez-moi. Et donc je le réalise sur une toile de lin 12 fils qu'une amie m'a offert, qui est vous voyez la taille du coupon, je crois que c'est un peu plus que 50 par 70, très légèrement plus. Et donc il va donner ça une fois terminé. Et le but c'est d'en faire un genre de drapeau, un fanion que je vais incorporer dans une guirlande avec des petites maisons couloutées. Que j'ai pas encore réalisé, mais que je vais réaliser. Voilà, j'ai juste modifié les couleurs. J'en ai parlé avec Véronique, ça ne la dérangeait absolument pas. Dans un premier temps, parce que je n'avais pas. Il me manquait quand même pas mal de. Enfin, pas mal. Il me manquait 3 ou 4 références de souvenirs. Et aussi parce que les tissus que je veux utiliser sont dans les tons de rouge, bordeaux et crème. Donc, je voulais faire tout un ensemble. Et j'ai donc remplacé. Alors, celle-ci, c'est la couleur d'origine.
qui va venir encadrer tout. Donc ça va faire une unité. Et après, je suis venue changer les verts et les bleus et roses pour mettre du gris, par exemple, ici, pour faire comme une... comment dire? Oh, j'ai plus le terme de ces fontaines en zinc. Voilà. Et après, je suis venue rajouter donc du ocre, du orangé, pour obtenir ce panel de couleurs-là. J'ai tout noté. J'ai noté toutes les références que j'ai changées. Donc je vous les mettrai dans un article de blog. Je vous mettrai les références que j'ai utilisées. Je pense que ça peut-être vous intéresser. Et puis vous donner des idées aussi comme quoi on peut changer les couleurs d'une grille. Vous ne faites pas un affront au designer en changeant les couleurs, hein. comme me disait Véronique. Au contraire, elle aime bien voir d'autres réalisations, les choses qu'on peut changer, voilà. Voilà. Et donc, il y a des petits oiseaux dans cette partie-là, qui sont donc normalement bleu et blanc et un autre rouge, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, moi, celui qui est bleu et blanc, je vais en faire un rouge-gorge. Et l'autre, je ne sais pas encore, nous verrons. La grille est très agréable à faire, ça va très vite. Le lettré, c'est d'une simplicité, d'une rapidité à broder. C'est vraiment... Enfin, je me suis régalée à faire rien que le lettrage. Au début, je m'étais dit, tu brodes ce qu'il y a dans ton tambour, tu passeras ailleurs. Et non, j'ai fait tout le lettrage parce que c'était vraiment très, très, très agréable à faire. Donc, un immense merci à la créatrice Rouge Antique parce que j'adore broder cette grille. C'est pas la première que je fais de chez elle et ce sera clairement pas la dernière. J'avais fait les pots de confiture que j'avais mis en coussin après pour offrir à mes grands-mères. Voilà, je brode sur deux fils de toile en deux fils de brun DMC. C'est ce que je préfère au niveau du rendu. Honnêtement, c'est ce que je préfère. Je n'aime pas broder sur un brin de toile. Peut-être parce que j'ai pas trouvé la toile, peut-être parce que j'ai pas la bonne technique, je ne saurais vous dire. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'est cette manière-là que je préfère, qui me convient le mieux. Après, ça, c'est entièrement personnel, chacun fait comme il le souhaite. Alors, la dernière, c'est un sal qui a été lancé sur le groupe Facebook de Rose Cocon, Brodon avec Rose Cocon. Et donc, où est-il? Il est là. Qui est donc le Pumpkin Color Autumn Challenge et la grille, donc du même nom, sans le challenge, est une grille gratuite que vous pouvez retrouver sur le site de Wool Forest. Donc là, c'est une grille, je me permets de vous la montrer parce qu'elle est gratuite, qui fait cette taille-là, enfin cette taille-là, on s'entend, ça dépend, hein, mais voilà, qui fait ça, qui est quand même assez grande. Et donc moi j'ai pas énormément avancé puisque depuis l'automne dernier, enfin j'ai arrêté de la broder en hiver dernier, je la brode sur cette étamine toujours dans le pack, oui on peut appeler ça un pack, hein, c'était un pack clé en main là, on m'avait offert plein de toiles, des fils, voilà. Donc c'est une toile lila qui était dedans, je pense que c'est la Svegarte, je ne veux pas dire de bêtises, je ne veux pas m'avancer mais je pense. Et donc j'ai mis... cet aimant à aiguille de chez Poussière d'Étoile dessus. Voilà. Hop. Et il y a plein de poils de chat, puisque mon chat noir dort à côté. Donc quand elle se secoue, elle me met plein de poils. Donc je la brode pareil sur deux fils de toile avec un brin de laine à broder de la boutique avec les coloris que je vous ai sensiblement montré tout à l'heure, hein. Donc ça c'est l'orange dégradé, ce vert là c'est, hop, celui-là, qui est un vert un peu kaki, qui tire sur le tilleul. J'utilise, là vous avez deux bains différents, je ne sais pas si vous allez voir la différence avec la lumière blanche, c'est pas évident. Donc il y a un orangé qui tire un peu sur le corail, peut-on dire.
et le coloris naturel, hein, qui est donc le blanc. Donc là, je suis dans la maison citrouille qui est ici, donc qui est celle-là. Je brode de manière un peu aléatoire. Je ne suis pas de truc en me disant je fais un carré là. Je brode en fonction de ce que j'ai envie, tout simplement. Et en fonction des couleurs, parce que j'ai changé donc toutes les couleurs. Et je rajoute au fur et à mesure. Voilà, en me disant, bah tiens, finalement là je verrai peut-être plus cette couleur, machin. Donc j'essaye de rester dans les mêmes tons partout. Mais bah voilà, quand je sors un coloris, un nouveau coloris, des fois je me dis qu'il irait bien dedans. Donc j'y vais de manière complètement empirique pour celui-ci. Là je suis sur un cadre. Normalement il fait 42 haut. Non, il ne fait pas 42 haut. Pareil, je vous mettrai à la limite les références. C'est un cadre qui se met sur un pied qui est donc dans mon salon. Donc elle est tout le temps sortie. Elle me rappelle tout le temps que je n'avance pas. Et donc c'est un cadre de la marque Epsi. Je ne sais pas si vous allez voir si le focus va se faire dessus. Je trouve ça pratique, quoiqu'un peu grand. Voilà. Je suis encore partagée sur le fait d'utiliser un très grand tambour comme ça. Enfin, un cadre, parce que ce n'est pas un tambour, c'est un cadre. Je l'ai aussi principalement acheté puisqu'on m'a offert une grille de l'étrange de Monsieur Jack qui sera absolument immense, n'est-ce pas? Et donc, je souhaitais avoir un grand support pour me lancer dans cette broderie. Et donc, j'ai fait le test d'abord sur celle-ci. Je vais peut-être la repasser sur un tambour. Nous verrons peut-être la passer sur un grand tambour, un 22 cm. Parce que le problème d'être sur des petits tambours, c'est que moi j'utilise des petits tambours pour des petits ouvrages. Mais là, vous voyez, on a quand même... je pense que ça serait pas mal. Bon, à voir. À voir quand je la reprendrai. Pareil, en fait, j'ai quasiment que des projets d'automne, vous allez vous dire. C'est terrible. Mais voilà. Je vous en dis pas plus pour ce salle parce que je participe très peu. En fait, j'adore aller sur ce groupe parce que j'adore aller voir les réalisations des autres. Mais je ne suis pas très douée pour mettre mes propres réalisations dessus, n'est-ce pas? Donc, il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont terminé, mais je n'en fais pas partie. Voilà. Voilà, maintenant je vais vous parler un petit peu des grilles que j'ai en ma possession. Enfin, une partie parce qu'elles ne sont pas du tout toutes ici. Mais comme ça, je vous montrerai les autres la prochaine fois. Donc là, c'est une grille... Enfin, principalement, tout ce que vous allez voir, ce sont soit des grilles que l'on m'a... Il y en a une qu'on m'a offerte. Là, celles que je vais vous montrer en premier sont des grilles qui ont été achetées lors de promotion chez Deux Mères en Filles. Et il y en a que j'ai achetées, donc les dernières, je vais vous montrer, que j'ai achetées d'occasion. Donc, cette grille-là que je souhaite faire, parce que j'ai des poulettes, j'en ferai une noire, une blanche et une rousse pour aller avec mes poulettes, même si ma noire, je ne l'ai plus, ça n'empêche qu'elle a fait partie de la famille. Et donc, j'avais acheté à ces dernières soldes cette toile pour la faire, qui est un terracotta un peu rosé, qui est donc une étamine 12 points 6 fils, et qui fait 40 par 30. D'ailleurs, je n'ai pas vérifié si c'était suffisant pour la faire. Si ce n'est pas suffisant, je la ferai sur autre chose, ce n'est pas grave. J'avais aussi acheté... Ah oui, je ne vous ai pas dit, excusez-moi. Donc c'est Teresa Cogut et Blooming Ants. Je pense que c'est donc la X16187. Ensuite, il y a la grille Le Jardin aux Citrouilles de C'est Mon Monde. Et j'aime beaucoup parce qu'elle en a fait un genre de petit pique-épingle. J'aime bien l'idée. Même si je n'en ai pas besoin puisque... voilà. J'ai déjà du bazar à gogo. Mais j'aime bien l'idée. Ça donne des idées. J'avais aussi acheté cette grille chez Madame Chantilly. Halloween in a Jar. Que je trouve super chouette. Celle-ci n'a qu'une seule option. Je vous dis ça parce que j'en avais fait une autre de Madame Chantilly avec des petites jarres et des personnages Halloween. Et donc là, il y avait plusieurs grilles en une.
J'ai aussi acheté à 2 années d'intervalle les fraises, les petites fraises de chez Tralala. Donc il y a le chaperon rouge et l'automne. Et en fait, je voulais, moi, pas les faire en fraises, mais je voulais les faire en coussin. Pour mettre dans mon salon, pour changer la déco. Parce que je ne fais pas ça. Et c'est vrai que j'aime bien l'idée de changer les rideaux, changer les coussins à chaque saison. Chez Plum Street Sampler, j'ai pris Dear Friends and... et Mary Brow, que je trouve très chouette. J'adore avoir ça. Je pense que par contre, ce sera encadré. Ensuite, chez Primitive, The Primitive Hour, il y a la Spooky Countdown. Alors, c'est un calendrier de l'Avent d'Halloween. Je pense pas le faire cette année, mais j'aime bien l'idée de faire un ou deux motifs, une ou deux journées par motif, voilà, de lancer deux, trois petites croix et puis de mettre, enfin de prévoir ça, de commencer deux, trois mois avant et de l'avoir terminé pour Halloween. Parce que je sais très bien que je ne ferai pas un motif par jour, ne nous mentons pas. Ensuite, j'ai commencé à acheter le sampler, donc là c'est The Little Brown Bats, de chez Cottage Garden. Là par contre, le but, j'aimerais tous les faire. Ouais. Il y en a, je crois, 12, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, dans les grilles que j'ai achetées d'occasion, j'ai trouvé celle-ci, donc de Little House Needleworks. Et avec, la personne m'a offert celle-là. Et dedans, j'ai les cotons pour la réaliser. Et Berry Patch Rabbit de Cedar Hill, qui est très très chouette. C'est un petit lièvre que je trouve très beau. J'espère que je cadre bien. Sinon, je vais devoir tout refiler. Non, je prendrai des photos et je vous les insère. Et on m'a offert la grille Patchwork d'automne de chez Jardin Privé. Donc ça, c'est pareil, j'en vois bien un coussin. Sachant qu'en fait, on a 4 fauteuils chez nous, puisque nous sommes 4, donc j'ai de quoi faire des coussins, quoi. J'ai des excuses. Voilà. En ce qui concerne les livres, je vous ai dit, j'ai fait l'acquisition de 2 références de Cruel. Donc, il y a le Cruel Birds, qui est un livre de Hazel Blomkamp, où en fait vous avez à l'intérieur, je ne sais plus, j'avais dit 7 oiseaux à réaliser et vous avez toutes les techniques de Cruel qui sont expliquées. Ce sont des livres tous les deux, si je ne m'abuse, en anglais, mais rien de très compliqué, je pense. Hein. Sachant qu'en fait, voilà, vous avez des illustrations, des schémas. Donc, ouais. Je les trouve très bien faits. Les oiseaux sont très très beaux. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse dans mon dernier vlog qui est l'épisode numéro 26. Je détaille tous les... Vous pouvez aller juste à la partie qui vous intéresse, c'est à la fin où je détaille tous les projets qui sont dedans. Et l'autre, c'est Cruel Embroidery de Tatiana Popova. Et là, il y a 7 designs à réaliser. Alors pareil, vous avez une partie, mais là c'est en photo. Une partie avec comment réaliser les points. Et après, vous avez un ouvrage. Hop, on est à la zone 3. Voilà, vous avez un ouvrage qui va être divisé en plusieurs zones pour vous expliquer quel point faire à quel moment. Je le trouve, enfin, ces deux livres sont vraiment très très beaux et je les trouve très bien faits. J'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus pour les lire vraiment, mais c'est pas grave, ce sera plus tard. Alors, pour la partie couture à la main, je vais vous parler. Alors, je suis désolée si vous suivez le vlog, vous avez déjà vu tout ça, mais bon, j'espère que vous ne voudrez pas, on est là pour ça. J'ai farfouillé un peu sur Pinterest et tout ça, cherché des idées et je suis tombée sur ce type de boîte en quilt as you go qui est pleine de poils puisque, n'est-ce pas, j'ai des chats à la maison. Donc en fait, le quilt as you go, si vous ne connaissez pas, on va
avoir, je sais pas si je peux vous montrer, si vous voyez bien, on va avoir un tissu de fond avec un hexagone qui est plus grand et qui va venir recouvrir, par-dessus l'hexagone central. À l'intérieur, moi j'ai mis du Gefitex, donc c'est une matière qui est assez rigide, que vous pouvez notamment retrouver chez moi, je l'achète chez Rascol. Au début, je trouvais ça trop rigide, et après, donc je vous montrerai les pochettes plus en détail. J'en ai fait avec le Gefitex et j'en ai fait avec du molleton basique, et finalement le Gefitex, je trouve ça bien parce que ça a beaucoup de tenue. Après, c'est mon avis à moi, chacun fait ce qu'il veut, mais par rapport à mes attentes à moi, je trouve ça mieux. Donc je m'en sers pour mettre mes petites pinces à patchwork là. Pas de difficulté particulière, c'est une petite boîte que vous pouvez réaliser vraiment avec des chutes de tissu. Donc moi j'ai utilisé des chutes de tissu de la collection d'Halloween des Troussinettes de la boutique. Et hop. Et à l'intérieur, enfin sur la partie principale qui se retrouve à l'intérieur, j'ai utilisé un tissu que 3615 Conquête m'avait donné, qui était un reste d'une de ses robes, qui est un petit tissu de citrouille Halloween, qui ressemble à ça. Hop, parce que je me suis fait une petite souris avec. Voilà, il ressemble à ça, ce tissu. Il est trop, trop mignon. J'adore. Donc voilà, c'est que de la couture à la main. Moi, pour bien fixer, j'étais venue coller mes petits hexagones au Gefitex. Et après, je suis venue donc tout replier. J'ai écrasé mes coutures. J'ai un petit fer à patchwork. Donc, j'étais venue voilà, bien plier, mettre un petit coup de fer. Et après, je suis venue coudre à la main en point invisible. Pas de difficulté. Enfin, pas de difficulté. Moi, je n'ai pas trouvé de difficulté particulière. J'aime beaucoup le rendu. J'ai ça qui trône sur mon étagère. Non, c'est pas une étagère, plutôt une desserte. On peut appeler ça une desserte dans ma chambre, à côté de mon bureau. J'ai une petite desserte avec tous mes encours, tous mes accessoires pour coudre à la main. Pour pas que j'aie à venir à chaque fois dans l'atelier chercher les trucs. Puisque l'atelier n'est pas attenant à la maison si vous ne me connaissez pas, si vous arrivez par là par hasard. qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, j'ai trouvé mes jointures un petit peu lâches. Ça fait, je sais pas, vous voyez, si je tire dessus, c'est un peu ouvragé. Bon, c'est pas catastrophique, c'était un premier jet. En tout cas, les coutures ne lâchent pas, l'utilité est là, donc j'en suis quand même très très contente. Ensuite, j'ai réalisé, alors c'est pas terminé, mince, comment on peut appeler ça? C'est pas, enfin c'est des hexagones, donc c'est de l'EPP, c'était à partir d'un kit, hop, Alice Caroline, trouvé chez Roséine et Suzanne, voilà, que je suis venue mettre sur une toile pour pouvoir en faire un coussin. Et là, en fait, mon but, je vais vous montrer après, parce que l'ouvrage que je fais après, en fait, c'est l'ouvrage test pour faire là-dessus après. Ça fait beaucoup de après. Mais voilà, je suis venue faire l'assemblage de tous mes hexagones. J'ai fait le choix de garder les trous ici, puisque je vais venir broder dans ces trous. Et à la fin, ça en fera un coussin à offrir. Donc, ah oui, faut pas se piquer. Donc ça, c'est encore un objet en cours, qui pour le moment dort entre guillemets, puisque voilà, je suis en phase de test pour pouvoir le terminer. C'était un kit, je ne sais plus, il n'avait pas de nom particulier, et c'est pas vraiment un kit en fait, je dis kit à chaque fois, mais c'est pas vraiment un kit, c'était juste un lot d'hexagones prédécoupés de chez Alice Caroline. Donc, je vous parlais de test. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai acheté chez Action des petits carrés de coton. Parce que souvent, ils ont des carrés de tissu, mais en fait, c'est du polyester. Donc là, c'était du coton.
Et donc, je voulais en faire un sac. Je suis venue faire ces petits hexagones. Donc là, le sac est découpé. Je suis en train de broder. Tac, tac, tac. Elle est où l'autre? Hop. Voilà, je suis en train de broder ce qui sera les côtés ici, des poches en fait sur les côtés, avec des fils de chez Nina Thread. Donc je ne sais plus, enfin si je sais, mais je ne me rappelle plus du nom. Ah, c'est peut-être chez la Maison du Canevas que j'avais acheté ça. Ils étaient en promotion et je les avais mis dans le calendrier de l'Avent pour mon mari, mais au final, comme il fait plus de points comptés, il m'a dit que je pouvais les utiliser. Donc ce sont ces fils-là. Alors, il y a plusieurs coloris. Je ne sais pas encore si je vais tous les utiliser. J'ai tout sorti. Je ne sais pas si je vais tout utiliser. Nous verrons bien. Et je voulais. Bien sûr, je n'ai pas la petite bobine. Elle s'est échappée. Avec un coton DMC que ma maman utilisait pour faire de la dentelle au fuseau et qu'elle m'a donné. Je suis venue faire un test, vous voyez ici, de broderie. Et donc le but, ça serait de refaire la même chose, de voir si ça fait joli. Et de venir faire la même chose sur le kit Alice Caroline. Donc ça sera la partie extérieure du sac avec les poches brodées de chaque côté. Ah, je range en même temps parce que sinon c'est un bazar sans nom. Je n'ai pas de pochette pour, pardon, pour cet ouvrage. Et donc j'ai déjà fait l'intérieur, que je vais vous montrer dans l'autre sens. Je suis venue reprendre bah, les tissus que j'avais déjà en fait. Alors ça par contre, je ne l'ai pas assemblé à la main. Là, la partie sac, je l'assemble à la machine. Et donc, voilà, je suis venue faire des poches séparées ici. Là, j'en ai fait une grande fermée par une pression. Ah, voilà. Et de chaque côté, à la même manière que l'extérieur, j'ai fait des petites poches, mais qui celles-ci ne sont pas brodées. Voilà. Qui me serviront à glisser des petites bidouilles, les ciseaux, ce genre de choses. Donc ça, c'est. Ah ben je dis que j'ai rien pour ranger, mais regardez, en fait, je peux ranger directement. Il me manque les anses à couper. Je ne savais pas jusque-là. J'ai cherché des anses un peu vintage. J'ai rien trouvé qui faisait tilt. Donc il va falloir que je coupe les anses du sac et que je termine toutes ces broderies à la main pour pouvoir après l'assembler. Ça me servira justement comme sac quand je pars en voyage pour transporter mes petits ouvrages de couture à la main. Pour mettre dedans, j'ai ressorti, alors ça c'est une broderie, une grille pardon, de chez Rouge Antique que j'avais eu gratuitement lors d'une commande chez Roséine et Suzanne. Elle est toujours disponible. Je crois que c'est pour un panier de 30 euros et plus. Vous l'ajoutez à votre panier et vous la recevez gratuitement. Donc c'est cette petite grille de hérisson qui est juste absolument trop mignonne. Et donc j'ai fait un encadrement avec du Liberty Emily Belle. Et jusque-là, c'est tout. Je ne savais pas du tout quoi faire d'autre. J'avais acheté de la dentelle chez Roséine et Suzanne et j'avais celle-ci. Au début, je voulais en faire un petit fanion à suspendre et puis j'ai pas trouvé le support. J'ai rien trouvé qui me plaisait. Et l'autre jour, je me suis dit, bah oui, mais c'est bien sûr. Faisons une trousse pour mettre dans le sac. Voilà. En EPP. Donc, je suis venue faire des petits hexagones comme ça, tout simple, hein, sans fioritures, qui vont être donc de l'autre côté. Là, je suis en train de terminer l'assemblage. Donc, il y aura un petit zip. C'est vraiment une trousse tout simple. Hein. Je fais pas de. Au début, je pensais faire un fond, faire un soufflet, machin. Non, je vais vraiment faire le plus simple du monde. C'est pour y mettre, quand je pars en vacances, pour y mettre mes aiguilles, pour y jeter mes ciseaux. Enfin, voilà, ce genre de choses pour pas courir après. Et donc, je suis venue rajouter ce petit galon de dentelle en bas parce que pourquoi pas. Donc, j'en suis très très contente. Donc, ça, nous verrons. Peut-être que je ferai l'assemblage cet après-midi ou demain, pendant ma pause.
Alors, je vais vous parler de ces pochettes, qui sont des pochettes qu'on voit un peu partout. Hein. Vous avez des tutoriels gratuits sur Internet. Ludivine Rosé Baldelaine en a fait un payant avec un tutoriel pas à pas, tout en photo, qui est très très bien illustré. Voilà, moi je suis partie de... Bah, j'ai pris aucun tutoriel, quoi, en gros. je couds depuis suffisamment longtemps pour avoir la chance de ne pas avoir besoin de suivre de tutoriel pardon, pour ce genre d'ouvrage. Cela dit, le vinyle que j'ai, je pense qu'il n'est pas assez rigide et il est très très pénible à coudre. Bon, c'est pas grave, j'en ai un rouleau complet, je vais continuer d'utiliser, mais je pense que il me faudrait un vinyle un petit peu plus épais. Donc j'en ai fait une avec ces tissus là qui sont des tissus que j'avais acheté, enfin que mes grands-parents m'avaient acheté sur une mercerie à Draveil dans le 91 quand j'habitais encore en région parisienne et que j'étais une adolescente, n'est-ce pas? Donc je garde tout. Voilà. Et j'ai fait, alors je vous montre celle-là d'abord pour vous illustrer, je vous parlais tout à l'heure de la différence entre le molleton et le Gefitex. Hop, je vais enlever les cotons à broder, ça sera plus parlant pour vous. J'ai fait des petits carrés pour aller avec. Voilà, juste tout simple. Pas du tout parfait, c'est pas grave. Le but, c'était pas que ce soit parfait. Le but, c'était juste que ce soit pratique. Et donc, vous voyez la différence entre le Gefitex et le molleton. Et en fait, le molleton, là, si je mets des cartonnettes dedans, il a pas de tenue, pas suffisamment. Encore une fois, c'est à mon goût. Mais vous voyez, voilà, il a pas de tenue, alors que le Gefitex, ça... Ah, ben non, reste avec nous. Alors que le Gefitex, je trouve que ça tient beaucoup mieux. C'est plus joli. Voilà. Donc là, je suis venue emprisonner une épaisseur de molleton, de watts, entre deux tissus. Et après, je suis venue coudre le biais à la main. Ici, pareil. J'ai donc matelassé aussi avec le Gefitex. Je fais du matelassage pour bien tenir... toutes les épaisseurs, et au final, quand j'ai cousu l'élastique, vous voyez, il a beaucoup moins bougé que sur le molleton. Donc c'est aussi plus pratique et plus facile à coudre, je trouve. Encore une fois, c'est complètement personnel, chacun fait ce qu'il veut. Donc je les ai fait assortis, donc celle-ci est assortie à cette pochette à broder là. Voilà. Hop, j'ai un truc qui s'est coincé dedans, un petit bout de fil. J'ai fait celle-ci avec des tissus que j'avais achetés chez Rosé et Suzanne, qui sont des Michael Miller. Oula, j'espère vraiment que vous n'aurez pas de... Avec le vinyle, que vous n'aurez pas de surbrillance, quoi, de reflet. J'ai fait celui-ci, et voyez tout de suite la différence avec le molleton. Moi, je trouve que ça manque de rigidité. Donc ça, ce sont des tissus Acufactum. Et celui-ci, je trouve trop mignon. Voilà. Et là, avec du Liberty. Donc, j'ai essayé de faire des coloris assortis. J'ai rien racheté. J'ai fait que avec des choses que j'avais. Ce qui fait que bah, le biais, c'est pas forcément... Quoique, moi je dis ça, si, c'est pas mal. Alors, moi, la modification que j'ai faite par rapport à celle que j'ai vue, c'est que j'ai rajouté cette poche derrière pour pouvoir mettre ma feuille de... Pour pouvoir mettre mon diagramme. Oui, je glisse, ça fait un A4. Je glisse mon diagramme et comme ça, je n'ai pas besoin de le bouger. Et même au-delà de ça, ça me permet... Vous voyez, je mets des petits scotch comme ça. Je mets du tape dessus. Et ça me permet de savoir où j'en suis pour les choses. Bah, par exemple, là, donc c'est pour la lapine. Comme la lapine, c'est un point de feston qui revient régulièrement. Pour ne pas me tromper, parce que c'est pas... En fait, il y a une répétition. Mais ce n'est pas exactement la même à chaque fois. Je crois que c'est 1 sur 2, la répétition. Donc, pour être sûr de jamais me tromper, bah, je mets un petit tape. Et je décale toutes les répétitions. Je me décale en dessous. En plus, comme ça, ça me permet de savoir exactement où j'en suis. Et de ne pas me tromper. Voilà. Eh bien, écoutez, ma foi, c'est... Je pense que nous avons fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer.
J'espère que... Ah non. Ben non. Les achats pour le English Paper Piecing. J'ai donc fait aussi l'acquisition de ce livre-là, qui est absolument génial, que vous pouvez trouver en français et en anglais. Donc moi, j'ai trouvé d'occasion en français. Tous les livres que je vous ai montrés là, je les ai achetés via le site Rakuten, qui fait aussi donc des parties occasion. Et je suis absolument ravie de cet achat. Vous avez tous ces projets-là dedans. Enfin, après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire exactement les projets, hein. Mais vous avez des explications. Vous voyez, les explications sont un peu en plus en format image 3D. C'est assez rigolo. C'est la première fois que je vois ça. Il est en français, donc, hein, je vous l'ai dit. Et vous avez plusieurs... voilà, vous avez... Quoique non, je dis plusieurs techniques. Non, je pense qu'elle ne fait qu'à la colle. Ah non, elle vous montre aussi pour faire l'assemblage à l'aiguille. Enfin, l'assemblage sur le papier à l'aiguille. Et après, voilà, pour chaque projet, vous allez avoir les dimensions détaillées, quoi faire où, les fournitures dont vous avez besoin. Et à la fin, vous avez tous les gabarits que vous n'avez plus qu'à redécalquer. Moi, j'utilise pour mes gabarits du... Comment dire ? J'achète chez Action des grands sets de table, c'est au rayon enfant avec les loisirs créatifs. Ils sont à peu près grands comme ça. Et donc en fait, je refais mes formes et je vais les découper. Et après, je mets assorti mes petits papiers. Donc ça, c'est pour le... C'est ce format-là que j'utilisais pour ma petite boîte en quilt azur. Et c'est cette dimension-là. J'aime bien ce principe-là. Après, vous pouvez les acheter en plexi tout fait. Voilà, ça dépend de votre budget, ça dépend de ce que vous avez sous la main, ça dépend si vous êtes pressé ou pas. Mais je trouve, enfin, moi, je trouve ce compromis pas mal du tout. En plus, dans le temps, ça dure bien. C'est quelque chose qui me convient. Cette fois, je pense que c'est bon. Nous avons fait le tour. Et ma foi, si j'ai oublié des choses, eh bien, ça sera pour la fois d'après. Je ne sais absolument pas encore à quel rythme je vais pouvoir revenir. Ça va dépendre de mes avancées. Si je reviens pour vous montrer trois croix par mois, je ne vois pas trop l'utilité. Donc je reviendrai quand j'aurai des choses à vous montrer, quand j'aurai des choses d'avancer, ou peut-être que quand j'aurai remonté des nouveaux projets. Allez savoir. Même si je me suis dit que pour le moment, je n'en remontais pas de nouveau. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à me dire si je vais pas assez en profondeur dans les explications, si c'est trop. Voilà, c'est la première fois que je fais du format broderie. Donc, je ne sais pas exactement quelles informations vous attendez. Je suis encore désolée pour les reflets que vous avez pu avoir. Mais malheureusement, je n'ai pour le moment pas d'autres lieux où tourner. Sachant qu'en plus, nous sommes lundi férié et que j'ai les enfants à la maison. Voilà. À moins que vous vouliez entendre Mamini chanter à tue-tête en grattant sa guitare en arrière-fond, je ne pense pas. Je vous dis merci, je vous dis à bientôt, je vous embrasse et je vous souhaite de belles broderies et faites-vous plaisir, que ce soit en couture à la main ou le reste dans vos activités. Et à très vite, au revoir.